Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Connectez-vous vite, hein. Franco va un peu vous parler, les jeunes là. Les gars, connectez-vous rapidement. Si le son est bon, faites-moi signe également. Si le son est bon, faites-moi signe. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Une petite surprise. Les jeunes là sont, vous prenez vos tabourets, vous vous asseyez là. On doit quand même, ouais, ça fait longtemps, disons. Ou bien, ça fait longtemps là. Ça fait longtemps, on n'a plus, hein? On n'a plus discuté. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, vous me signalez. Voilà, le temps que les gars se connectent. Connectez-vous vite, connectez-vous vite. On discute rapidement. Ce n'est pas un direct long, hein. C'est juste un petit direct là. Ouh, je vais un peu parler aux jeunes. Donc connectez-vous les jeunes, connectez-vous. Donc on va un peu vous saluer, on va un peu vous parler ce soir. Voilà, j'espère que votre semaine se passe bien. J'espère que la journée également a été. Bye, Samy, bonsoir. Connectez-vous rapidement, connectez-vous. Connectez-vous. J'arrête même d'avoir le son aussi. Voilà, j'arrête d'avoir la musique. Connectez-vous les gars. Vous voyez que il y a sur moi là le polo de Vision Pro. Voilà. Vision Pro. Je suis dans mon bureau, hein. Je parle un peu comme les autres déjà. Je suis dans mon bureau. Est-ce que le son est bon, les gars? Pardon, personne m'a encore dit si le son est bon. Partagez le direct, s'il vous plaît. Parce qu'on fait quand même des trucs bien comme ça. Le son est bon. Et qui dit vraiment Loïc, quelle semaine comment? Voilà les gars, en attendant que les gens se connectent, je vais un peu vous présenter rapidement le nouveau studio, hein. Voilà, je vous présente rapidement le nouveau studio. Ok, merci Anno. Voilà, je suis au bureau, donc comme vous pouvez bien voir là. Voilà, ici au bureau. Je suis encore assis au bureau. Voilà. Donc, je vous présente rapidement un peu la structure avant qu'on discute les jeunes. Hein? Voilà. Donc, je suis au bureau. Ceux qui me disaient que le ventilateur fait quoi au bureau, là? En tout cas. Voilà. Donc, c'est bel et bien le bureau, là. Comme vous pouvez voir. C'est mon bon petit. Il est venu me rendre visite. Voilà, voilà Touche qui est centrée. Demain là, on va faire fort avec ça. Donc, ça c'est les waveforts, hein. On appelle ça les waveforts, les gars. Donc, je vous présente encore ma photo là. C'est un Pro A qui se rappelle de cette photo. Voilà, on ressort un peu rapidement. Je vous montre la structure. Voilà, donc vous êtes là chez Maître Franco, hein. Ou bien, c'est une histoire de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous présente rapidement le studio Vision Pro. Je parle de l'extérieur pour l'intérieur. Pour que vous voyez un peu bien comment ça, le studio est structuré. Le temps que les gens se connectent. Les gars, partagez le direct. Quand on fait quand même un direct, vous montrez les choses comme ça. Donc, je vous présente l'extérieur. Donc, il faut un peu regarder un peu. Vous me donnez un peu de... Donc, quand on est là, vous voyez là, voici les escaliers qu'on monte. Vous voyez les escaliers. Là, voilà la totale. Nous sommes à Yaoundé, ici, en Gousso. Donc, dès qu'on est à la totale là, quand vous êtes à la totale, donc vous venez là, vous prenez les... En face de la totale en haut là. Là, vous venez, vous allez voir la plaque. Comme vous pouvez voir bien la plaque là. La plaque là en haut. Voilà donc.
la plus haut là. Nous sommes en haut à la chapelle. Donc on prend les escaliers. On monte tout droit. On monte tout droit. Voilà, ça c'est l'entrée. Donc vous pouvez voir là. Alors là, ce sont mes parents. Voilà. Ok. Ce sont mes parents qui sont mes gardiens ici là. Voilà, donc on est là à l'entrée. Donc nous sommes bel et bien là. Au studio Vision Pro, comme vous pouvez constater. Ouais, voilà, donc ça c'est l'entrée. Comme vous pouvez bien voir, nous sommes ici à l'entrée. Bon, l'espace-ci, bon, je vais faire le fond vert ici. Pour ceux là qui me demandent si on va faire les clips et tout ça, bon, voici peut-être où on va faire ça. Voilà, donc, ça c'est l'espace libre. Je réfléchis encore ce que je vais faire ici. Voilà, donc, pour ceux qui disent, voilà la clim que j'ai enlevée dans mon bureau. Hein. Bon, peut-être je vais replacer. Ça avait un petit souci. On va replacer. Donc, quand vous entrez là, vous vous dirigez directement là. Vous êtes voilà le studio. Bon, ici, c'est mon bureau. Voilà, c'est mon bureau. Voilà, ici, vous êtes bel et bien au studio photo. C'est l'entrée du studio. Voilà, donc, quand vous entrez au studio, c'est là. Vous pouvez constater là. Ici, vous avez le salon de coiffure. Oui, ici, c'est le salon de coiffure. VIP, hein. Comme vous voyez là, c'est vraiment VIP. Voilà. Voilà les chaises, voilà. Comme vous pouvez constater, tout est en place. Voilà, avec les produits, hein. Bien entendu. Il y a tout. Donc, voilà, avec tous les produits. Voilà même, voilà les tondeuses qui sont là, voilà, tout fonctionne, je branche, ah, c'est pour stériliser les tondeuses, donc, ouais, donc, comment tout fonctionne, hein? Tout est là, tout est à jour, voilà donc la maison. Vous pouvez constater. Comme je parlais donc des agrandissements. Voilà les différents formats des agrandissements pour ceux qui souhaiteront, qui vont venir chez Vision Pro pour agrandir leur photo. Donc voilà bel et bien le studio. Venez ici. On va vous faire du bon boulot. Voilà donc, comme vous voyez les photos, les différents formats des photos. Je rappelle encore qu'ici, il y a tous les travaux d'infographie, hein, les banderoles, les flyers, les roll-up, tout ça, avec le temps, on va mettre tout ça. Comme vous avez vu les plaques là-bas à l'extérieur, là, c'est moi-même qui habille ces plaques-là, c'est moi-même qui ai fait ce boulot-là. Donc, j'habille également les plaques, je fais les plaques lumineuses. Donc, vous pouvez voir ici, la salle d'attente. Là, c'est les cadeaux pour les shootings d'anniversaire. Voilà. Donc, là, c'est l'endroit pour le massage, soin de visage, tout ça. Voilà, donc, on évolue. Voilà, donc, la salle de shooting. Ici, nous sommes là, la salle de shooting, voilà. Vous pouvez constater avec des rideaux. On va encore compléter dans les jours à venir. Donc, voilà. Et on peut constater, voilà, je suis ici avec mon monteur Jason. Ah, Jason, comment tu vas? Non, je vais bien, je vais bien. Voilà, vous voyez celui, marqué bien Vision Pro. Voilà, ouais. Donc, il est là, il est dans son bureau également. Voilà, donc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un peu le studio Vision Pro. Donc heureusement on est lancé au direct. Les autres ne sont pas là. Mais bon, on aura le temps également de les présenter. Donc on revient. Revenons à nos moutons donc. Au colo. Voilà. Viens vers moi. Ok. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble, les jeunes?
Voilà, partagez le direct donc maintenant. Partagez le direct maintenant. Les vraies choses, on va parler des vraies choses maintenant. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Envoyez-moi le cœur. Hein. Si vous ne m'envoyez pas le cœur, j'arrête le direct. Je ne dis pas ce que j'avais à dire. Si vous ne m'envoyez pas le cœur, envoyez-moi le cœur pour m'encourager. Vous partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Envoyez-moi le cœur. Sinon, je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Merci pour le cœur. Merci, merci, merci. C'est très important. Bombardez-moi le cœur pour que je confirme vraiment que nous sommes ensemble ce soir. Partagez le direct également. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, chers jeunes. Pour ceux qui sont encore au boulot, vous allez regarder la vidéo après. Donc, je faisais ce petit direct juste pour rappeler que les dates sont confirmées pour la formation gratuite. Parce que ceux-là qui sont en train de croire, peut-être c'était la blague. Le 25 et le 26 de ce mois, avril, sont les jours calés. Et ceux qui ont envoyé la photo avec le laptop comme convenu, comme prévu, c'est autour déjà dans le groupe. Ils sont derrière une soixantaine. Ils sont derrière une soixantaine déjà. Donc, le 25 et le 26, de 10h à 15h. Voilà donc les dates. Parce que les gens me demandent les dates. Et puis, voilà donc les dates que je vous ai données. Donc, ce mois-ci, le 25 et le 26 de ce mois. Henri Garage, 4x4. Bonsoir, mon frère. Voilà. Bon, il n'y a pas assez de partage, hein. Je ne sais pas. Il y a une chose que je ne comprends pas souvent sur ma page ici. Sincèrement. Je suis à plus de 109 000 abonnés déjà. Mais quand ils lancent le direct, les gars regardent toujours mes directs après. Les gars ne se connectent pas quand je suis en direct. Mais je ne sais pas le pourquoi. Mais c'est parce que c'est moi-même qui gère. Ou bien il y a une autre manière de faire en sorte que quand tu lances le direct, il y a beaucoup d'abonnés. Bon, moi, je sais, beaucoup... comment dirais-je? Beaucoup de personnes connectées. Je ne sais pas trop. Pourquoi on ne peut pas envoyer les étoiles dans ton direct? Bon, là, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Envoie le cœur. Voilà, donc, le message que je voulais donner aux jeunes ce soir, c'est de travailler, les gars. Travailler, travailler très dur. Et soyez honnêtes dans votre vie. Et soyez ouverts. Quand je vois souvent des personnes qui viennent souvent sur ma page, me dit, quand on devient influenceur, on est arrogant, on est ceci, on est cela. C'est parce que ces personnes ne me connaissent pas vraiment bien. Ma première force, c'est l'humilité. Je suis d'abord humble. Et moi, je prends tout le monde. Je dis bien tout le monde. Comme mes amis. Bien qu'il y a souvent certaines personnes, quand tu embrasses, c'est le serpent même que tu embrasses. Mais quand tu es vrai, quand tu es une personne vraie et honnête, même si tu embrasses le serpent ne peut pas te mordre. Comprenez, non? Le serpent-là ne peut pas te mordre. Je voulais rappeler ici que la formation gratuite que j'ai lancée, parce qu'il y a les gens qui me demandent que l'inauguration de l'entreprise, c'est quand? La formation gratuite que j'ai lancée, c'est ça l'inauguration de l'entreprise. C'est ça l'inauguration de l'entreprise. C'est ça que je dis merci à ceux qui me soutiennent aussi parce que je ne peux pas me permettre à citer leur nom. Parce que vous savez, il y a des gens qui m'aident, mais qui n'aiment pas qu'on passe autant à dire tel. Vous voyez. Donc, les gars, qu'on ne vous trompe pas. Beaucoup vous trompent ou beaucoup vous narguent en vous miroitant la belle vie, en vous faisant croire que pour avoir ci ou ça, il faut tremper, comme on dit souvent. Ou bien il faut avoir l'ingrimba. Ou bien il faut avoir ceci. Non. Les gars, honnêtement parlant, sans vous tromper, dans la vie, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup bosser.
Et je suis souvent surpris, les gens qui me contactent pour me dire, Franco, nous voulons être comme toi. Honnêtement, les gars, quand quelqu'un m'écrit sur WhatsApp, bonjour Franco, on fait comment pour être comme tu es là? Je ne réponds même pas. Vous savez pourquoi moi je ne réponds pas? Soit je me dis, soit c'est des questions provocatoires, soit c'est des questions, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez même un peu. Quelqu'un te contacte et dit qu'il veut être comme toi. Je ne comprends pas. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis à 11 ans dans ma carrière artistique, comme vous voyez là. J'ai tout, même les cartes d'artistes, nous on a fait tout ça. Mais on leur a demandé de constituer des dossiers de ceci, cela, déposer au ministère pour ceci, pour le financement, machin, on a fait tout ça. Rien. Moi, je vous dis, je suis à 11 ans. J'ai fait 9 ans. 9 ans derrière la caméra en tant que réalisateur. Des web-séries et tout le reste là. Ça ne donnait pas. De la même façon, moi, je parle ça pour expliquer à ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui m'écrivent, me disent, grand, on cherche la visibilité. Depuis qu'on travaille, on n'a pas la visibilité. Mes chers amis, la visibilité ne se donne pas en un coup comme vous pensez là. C'est avec le temps. C'est avec le temps. Sauf si tu veux pas les raccourcis comme ce qu'on vient vous dire que faites ceci, faites cela. D'autres font ça et ça marche. Par contre, d'autres font ça ne marche jamais. Honnêtement, d'autres font ça marche. D'autres font ça ne marche jamais. Partagez le direct. Oh, quand je fais un direct pour sensibiliser les jeunes comme ça, ils ne voient pas les partages. Ça m'encourage pas, j'ai même envie d'arrêter. Partagez donc, je vous donne d'abord 2 minutes. Partagez-moi le direct et vous m'envoyez les cœurs. C'est ce que je vous dis là, intéressant. Les gars, vous allez suivre mon exemple. Oh, oui, je vais montrer aux jeunes là que non, ce que on passe autant à les tromper que faites ci, faites ça, faites ceci, faites ceci pour avoir ça. C'est faux. On travaille, on est honnête. On avance. Oui, surtout, le tout n'est pas de travailler. Non. Il ne suffit pas seulement de travailler, parce qu'il y a les gens qui travaillent plus que moi, mais ils n'avancent pas. Il y a les gens qui travaillent plus que moi, ils n'avancent pas. Posez-vous la question à savoir, parce que je suis arrivé même à mon collège dernièrement, j'ai trouvé un ami qu'on vendait les CD à l'époque, en 2013, quand j'étais encore dans mes trucs, comment dirais-je, quand je tournais encore mes films, tout ça, il vendait les CD, il me baladait. Partout ici à soi, je me baladais dans les cités, je vendais les CD, je me baladais partout dans les bars, je vendais les CD. J'ai trouvé mon ami là, il est toujours dans les CD. Vous pouvez imaginer, 11, 12 ans, où c'est, parce qu'il l'avait trouvé dans les CD, lui est laissé dans les CD, il est toujours dans les CD. Le gars m'a fait me dire que, gars, toi tu es aussi où c'est au Nigeria, où c'est où, prendre ta part sur l'affaire là. Gars, on te voit seulement sur les réseaux sociaux, tu fais fort, tu fais ceci, tu fais cela. Il n'y a pas la sorcellerie dans la réussite, il n'y a pas. Oui, il n'y a pas. Le gars, quand je m'assois, on s'est assis hein, pour prendre un verre. J'ai essayé de sonder le gars pour comprendre son rythme de vie. Comprenez un instant. Le gars, premièrement, a 4 copines. Curieusement, il n'est pas encore marié. Il a 4 copines. Il a 4 copines. Je lui demande que bon, voilà déjà, tu as 4 copines, mon frère. Tu gagnes combien par jour? Tu gagnes combien par jour? Le gars me dit qu'il y a les jours, il gagne 10 000. Tu gagnes 10 000. Par copine, tu dépenses par semaine combien? Quand le gars essaie de calculer, il se retrouvait à presque à. Il y a les semaines où il dépense même 20 000. Hein? Les semaines où il dépense même 30 000. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand le gars part boire au bar, et vous savez, quand tu pars déjà au bar boire, il y a les amis que tu vas rencontrer. Le direct est en pause. Comment ce direct est en pause? C'est ta connexion qui dérange peut-être. Quand le gars pas boire, tu vas rencontrer les amis. Tu fais le premier tour. Ou bien tu peux arriver même. C'est ton ami qui t'invite. Il fait le premier tour. L'autre fait le deuxième tour. À un moment donné, toi, tu vas te sentir un genre. Il va falloir aussi que tu fasses aussi un tour. Le tout là, c'est combien? Tu vas faire des tours. Et après, tu vas te retrouver en train de dépenser combien? Dans les 25 000, une soirée. Et chaque jour, tu risques de sortir comme ça. Parce que quand tu commences à la vie de dehors,
C'est comme ça que ça te prend la tête. Chaque jour, tu veux seulement sortir. Surtout quand tu n'as pas une femme à la maison. Et même d'autres qui ont même leur femme à la maison, mais ils ne sont pas responsables. Quelqu'un a une femme à la maison, mais là, au moins, c'est 4 petites, 5 petites. D'ailleurs, rien que l'argent que tu peux payer dans les chambres de passe là, tu vas prendre une petite, parce que tu ne dépenses pas, non, elle-même, elle ne dépense pas, elle ne me demande rien. Mais tu ignores quand tu peux prendre la passe. Tu payes 5 000, peut-être. Vous allez boire, disons que vous buvez, peut-être 4 000, ou bien 3 000, ça fait 8 000. Celle que tu dis qu'elle, que tu ne dépenses pas pour elle, tu vas le moins 2 000 pour le transport, ça fait 10 000. Si elle vient comme ça 3 fois, si tu l'invites comme ça 3 fois par semaine, ça fait 30 000. Si elles sont 2 ou 3, ça fait combien? À la fin du mois, tu vas te retrouver en train de dépenser peut-être 100 000. Tu vois que tu vas travailler toute ta vie et être sur place. Oui, j'ai des gars qui ont commencé les vidéos comme moi. Ils ont même eu beaucoup d'argent, qui ont même commencé avant moi. Ils ont eu beaucoup d'argent. Moi, je n'ai même encore rien sur les réseaux sociaux. C'est juste que j'ai une stratégie, je développe ma stratégie. Quand je touche mon argent, je ne pars pas en boîte de nuit, vivre, faire la belle vie. Non. Je ne pars pas prendre les habits dans les prêt-à-porter pour mettre sur moi, aller filmer même sur la voiture de mes amis pour montrer à mes internautes, à mon public que non, voilà comment Franco, sa vie a changé, je m'en fous de ça. Oui, celui qui veut venir m'insulter, ma vie, moi, je vis d'abord pour moi. Comme je vous ai toujours dit depuis le départ, et c'est ça qui tue beaucoup de jeunes. Parce que les jeunes ne veulent pas vivre leur vie. Les jeunes veulent vivre la vie de ceux qui les regardent. Et quand c'est comme ça, vous pensez que vous allez évoluer comment? Vous allez évoluer comment? Quelqu'un arrive dans mon bureau et me dit que, hey, qui? Gars, c'est toi qui as cette structure? Je lui dis oui. Et il dit qu'il n'arrive pas à croire. Comment j'ai fait pour avoir ça? Comment j'ai fait pour avoir ça? Parce qu'il connaît même les gars qui ont donné même leur derrière, comme on dit souvent là. Ils n'ont pas pu. Mais gars, comment tu fais comment? Je fais comment? La vie, c'est l'organisation. Oui. La vie, c'est l'organisation. Il faut être organisé. Partagez le direct, les gars. Partagez le direct. Si tu ne t'organises pas, tu ne vas pas avancer. Merci pour les cœurs. Le tout n'est pas de travailler. Quand moi je dis aux gens que j'ai fait le pouce, j'ai fait beaucoup de trucs. Même les punks que vous voyez les enfants vendre au marché, dans le marché les joies, j'ai vendu quand ils venaient en vacances. Je vendais les gâteaux, les punks et tout le reste là. Je vendais ça. Mais quand je dis ça à quelqu'un aujourd'hui, il ne peut pas croire. Quand quelqu'un me voit aujourd'hui, il pense que moi je sors dans une famille tellement bien. À l'entrée, je vous ai présenté mes parents. Vous avez vu comment mon père est âgé. Et ma mère est décédée, ça fait 5 ans. 6 ans, perd son âme aujourd'hui. Hein? Mais quand je vois un jeune qui vient dire, oh, je suis à dépasser, je fais tout, ça ne marche pas. Je fais n'importe quoi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, ça ne donne pas. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je suis dépassé, mon frère, parce que tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Parce que quand tu as une activité, tu vois pour le voisin, tu penses que c'est pour le voisin là qui est mieux. Tu ne te concentres pas sur ce que tu fais. Tu ne te donnes pas à fond. Oui. Les gens regardent comment nous on avance aujourd'hui. Ils pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile d'avancer au Cameroun, les gars. Vous connaissez comment la vie est dure au Cameroun. La vie est dure au Cameroun. Nous on fait comment? Faut être économique. On ne te demande pas de ne pas avoir des petites amies ou bien. Mais quand tu veux même avoir une petite amie, cherche une petite amie qui est à ton âge, qui doit te comprendre. Mais tu es en train de te battre. Parce que tu vois ton ami qui a déjà réussi avec des belles femmes. Mon frère, cherche même la femme qui mérite même l'argent que tu as dans tes poches, qui peut te permettre d'avancer. Tu peux seulement porter le cheval du chef, comme on appelle dans notre patois, le cheval du chef. Donc le cheval, c'est le chef qui doit galoper. Mais c'est ça que toi tu viens porter, que ça va te laisser. Tu vas donc avancer comment? Après maintenant, ceux qui mènent leur vie tranquillement, en fonction de leurs moyens, vous allez les traiter de sorciers quand ils vont avancer. Il n'y a pas de magie. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, il y a des gars qui touchent beaucoup, plus que moi sur Facebook. Mais les gars sont là dehors. Hein. Ils ne sont rien. Ils sont en location.
Pendant que nous, on fait nos économies, on a plutôt les locataires, les gars sont plutôt locataires ailleurs. Oui. Je vous dis une vérité. Je fais dans la vidéo parce que beaucoup de gens m'écrivent aujourd'hui pour me demander comment faire. Comment faire pour réussir? Comment faire? Moi, je vais répondre à qui est laissé l'autre. C'est pour ça que j'ai programmé ce direct. Pour celui qui peut comprendre ce direct, il comprend. Tant mieux. Pour celui qui peut comprendre et appliquer. Avant de dire que tu n'avances pas, fais d'abord l'examen de conscience, mon frère. Assois-toi chez toi, tu dis que ma vie fonctionne mieux. Mesure tes dépenses par rapport à tes entrées. C'est de ça qu'il est question. Tu gagnes combien et tu dépenses combien, tu économises combien. Quand tu dis que tu veux réussir, oui, tu es couché chez toi, tu es avec ta femme. Dès que ton ami t'appelle, pam, gars, nous sommes à tel endroit. Tu te lèves, pam, tu abandonnes tes enfants, tu abandonnes ta femme. Tu es allé au carrefour, vous buvez les bières, vous vous séparez à 3 heures. Parfois, quand tu rentres dans ta graisse même, on prend ton téléphone, on prend tout. Tu reprends tout à zéro. Ta femme là, que tu as mis à la maison là, tu l'avais mis à la maison pour faire quoi? Pour honner ta maison. Tu n'as pas de respect pour elle. Moi, je ne suis pas contre ceux qui ont leur femme et qui ont leur... On appelle ça quoi? Maîtresse. Donc, c'est un choix. Mais, sauf que, même si tu veux avoir une maîtresse, il faut savoir quelle maîtresse va avec ton niveau. Donc, comme je vous dis, je suis à 11 ans dans ma carrière. Et ça, c'est la première année où ma tête sort de l'eau. 11 ans. Mais je vois un enfant qui a... Quelqu'un me dit que je veux faire comment pour être comme toi. Je veux être comme toi, Franco. Tu demandes que bon, tu as commencé à faire les vidéos quand tu as commencé à... Tu es dans le cinéma, oui. Tu as commencé et que ça fait 3 mois. Moi, je suis à 11 ans. Quelqu'un commence les vidéos à 3 mois. Il veut être comme moi. Hein? Comprenez la magie. C'est-à-dire que quelqu'un commence à vivre, il commence à faire ses vidéos. Il est à 3 mois. Je suis à 11 ans pour être ce où je suis. Mais un jeune vient m'écrire qu'il veut déjà être comme moi. Il a 3 mois. Franchement, ce que vous ne savez même pas, ce que... Une minute, s'il vous plaît. Voilà. Ce que vous ne savez même pas, c'est que... Quand tu es trop pressé, ce qui est sûr, on va te dire, fais ci, fais ça. Déjà, je dis, personne ne peut me conditionner. D'autant plus que j'ai tout mon matériel. Je fais tout moi-même. Je fais mes réalisations moi-même, personnellement. Je monte moi-même. Je diffuse moi-même. Personne ne voit, personne là qui peut me dire que si tu ne fais plus ça, tu n'avances pas. Donc, c'est-à-dire que celui qui vient, il veut s'amuser, mais le met de côté, j'avance. J'ai ma vision, j'ai mon principe. Et un jeune qui a, et tout le monde, chacun doit voir ses principes. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Un jeune qui n'a pas de principe. Parce que même si tu travailles, tu n'es pas visionnaire. Tu n'es pas, comment expliquer ça? Si tu n'as pas d'ambition, tu vas tourner à rond. Et je vais vous dire une chose. Tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, comprenez bien, tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est des choses que j'ai déjà préparées dans ma tête. Je n'ai même encore rien réalisé. Il y a des choses que je vais réaliser. Les gens vont dire que, hey, parce que quand moi, où je suis là, j'ai des projets de plus de 500 millions dans ma tête. Ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes, dès qu'ils ont l'argent, ils ne font rien avec. C'est parce que le gars n'a même pas d'avenir. Le gars ne pense même pas à son futur. Le gars ne pense même pas au lendemain. Dès qu'un matin, il reçoit même peut-être même un 5 millions, il devient fou.
Il croit qu'il est sauvagement riche, il ne va plus jamais être pauvre. Parce qu'il n'a pas de projet pour ses 5 millions. Parce qu'il n'a pas d'ambition pour ses 5 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement aller au bar. C'est tout à fait normal. Si tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'ambition. Subitement, un matin, tu fais un business, tu me fais certaines sommes, tombe dans tes mains, c'est normal que tu te retrouves en train de jouer la vie en les autres. Mais demain, là, tu seras dans la rue en train de demander 100 francs. Et Dieu ne donne pas l'occasion deux fois. C'est une seule fois généralement. Et tout chacun dans sa vie a une chance d'avoir l'argent. A une chance. Dieu donne la chance à tout le monde. Sauf que n'importe, les gens viennent blaguer, croyant que demain il aura encore cette chance-là. Et la chance-là, généralement, sourit une seule fois. Et si tu n'exploites pas bien cette chance-là, c'est fini. Tu vas beau te battre n'importe comment, tu vas tourner à rond. Merci pour les cœurs. Partagez le direct. Tu vas beau te battre, mais tu vas tourner à rond. Tu vas même croire que c'est même la sorcellerie. Pourtant, ce n'est pas la sorcellerie. C'est juste parce que Dieu t'a donné un moment pour réussir. Tu as joué avec. Il a dit, bon, ok, je passe à une autre personne. Et la vie continue. Donc, vous devez savoir que quand vous vivez, vous devez être ambitieux. Vous devez être ambitieux. Parce que quand tu es ambitieux, même Dieu même te permet de réaliser tes ambitions, de réaliser tes projets. Mais si ta vie, c'est de chercher les femmes, c'est de manger, boire, rentrer, dormir. Un jeune qui dit qu'il veut réussir, tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un. À 7 heures, il se tire encore au lit. Tu sais comment? Ah, gars, je dormais maman encore. À 7 heures, mon frère. À 7 heures. Tu veux réussir à 7 heures. Tu es encore couché sur ton lit. Est-ce que vous savez qu'il y a les jours où moi je dors à 23h30, minuit, à 4. Et dans même, mon cerveau m'a programmé que même si je n'ai rien à faire, à 4 heures, je suis à debout. À 4 heures, même si je ne suis pas debout, même si je suis couché, je ne dors plus jusqu'au matin. Parce que le cerveau est à programmé comme ça. 4 heures. Mais quelqu'un dort jusqu'à 7 heures. Il se couche à 20h, 21h. Il arrive d'abord chez lui à 18h. Il regarde le match. Il regarde ceci. Oui, parlant même du match là. C'est-à-dire qu'il y a certains gars dans mon quartier. Moi, je suis dépassé. C'est-à-dire que le gars, tu rentres comme ça. Champions League. Le gars connaît tous les clubs. Le gars connaît tous les matchs. Le gars connaît tous les scores. Dès que tu dis tel match, l'autre m'a demandé l'autre jour que est-ce que tu as vu le match où ils disaient où c'était Chelsea, où c'était. Moi, je suis même pas d'abord. Moi, je regarde seulement le match des Camerounais. C'est quand les Camerounais jouent même que je suis devant la télé pour regarder. Tellement je travaille même que je n'ai même pas le temps. Même quand je regarde la télé, c'est même que le journal. Parfois, je suis en train de regarder le journal, le sommeil me prend même. Tellement tu passes la journée à réfléchir comment faire pour réussir. Mais quelqu'un passe son temps à dormir, à regarder le match, fait les scores, Là, tu passes souvent. Quand tu passes, les gars sont au bas. Le match là hier a fait fort. Mais tu vois, gars, je ne connais même pas le nom des joueurs. Wow, celui-ci a fait et il tape des commentaires autour des bas, autour des pieds. Et ce sont ces gars-là qui viennent sur ton clavier, sur leur clavier, sur tes postes, souvent t'insulter chaque joueur. Voilà l'autre. Il me dit, tu parles quel français? On dit que c'est le français, c'est un français. Je ne parle même pas du français, de la langue. C'est un français qui m'a donné l'argent pour faire tout ce que j'ai fait là. Voilà tout ce que tu peux venir mettre sur mon direct. Tu parles quel français? Donc, tu t'exprimes trop bien en français là. Tu as quoi ou tu as quoi? C'est de ça. Voilà. Voilà ces mêmes gens-là. Les voilà. Passez toute votre vie à critiquer, à insulter. Bon, la critique même encore, c'est mieux parce que la critique, ça te permet d'avancer. À insulter. Parce que quand tu dis tu parles quel français, ce n'est pas la critique, c'est l'injure. Tu es venu sur mon direct pour. Moi, j'étais dit que je suis un technicien. Donc, je m'en fous, même si je parle en ma langue. Quand comment là, on l'a, ça va pour you, ego, comment? Pour you, pas ego, comment? Donc, pourquoi on l'a, on l'a, ça va pour rien, pas comme quoi? Mais il faut souvent calmer vos trucs où tu parles un gars français. Je m'exprime bien à ma langue, mon frère. Je suis Camerounais, fier de l'être. Et je vis au Cameroun. J'ai investi au Cameroun. Voilà. Donc c'est comme ça. Je pouvais même bien prendre tout cet argent-là. Je pars aussi à Dubaï, comme vous voyez tous mes camarades aller à Dubaï se balader là. Je pouvais bien le faire.
Je pouvais bien m'acheter une grosse voiture. Quand je passe, on dit que, oh, Franco, voilà le grand Franco qui passe. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Continuez à vivre cela. Et rendez-vous, si Dieu nous donne, si Dieu nous permet d'atteindre cette âge, rendez-vous dans 80 ans. Rendez-vous dans, vous allez nous traiter de sorciers. Et quand nous, on va passer donc, avec les grosses voitures que vous achetez aujourd'hui. Moi, j'ai acheté les grosses voitures que vous achetez aujourd'hui là, à 70 ans, à 50 ans. Oui. Parce que en ce moment-là, tous mes enfants, je suis qu'à 50 ans, 60 ans, mes enfants seront, tous mes enfants seront situés. Moi, je vais acheter n'importe quoi que je veux maintenant. Je vais acheter ce que je veux. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est la vie de mes enfants. Tout ce que je fais là, ce n'est plus pour moi. Parce que même si c'est comment, je ne peux plus mourir sans... Je ne peux plus mourir. Sans, si ce n'est que ma vie, je ne peux plus mourir sans manquer le plat de 250 de riz que je peux manger avant de dormir. Vous comprenez, non? Mais ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Ce que je fais, tout ce que je fais maintenant, ce n'est plus pour moi. C'est pour les enfants que j'aligne là. Et si tu as les enfants, tu ne travailles pas fort pour l'avenir de ces enfants. Franchement, nous, on a beaucoup combattu pour réussir. Mais beaucoup n'ont pas suivi notre exemple. Beaucoup ont pris le raccourci, ils sont dans la tombe aujourd'hui. Beaucoup ont commencé à faire comme nous. Ils se sont découragés, ils sont dans les rues. Ils soutiennent, ils arrachent les sacs aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas supporté. Ce n'est pas facile, qu'on ne vous trompe pas. Il ne faut pas que quelqu'un soit sous le soleil aujourd'hui en train de se battre et pense que c'est fini pour lui. Non. Mon frère, il faut être ambitieux. Il faut être sérieux. Parce qu'il y a aussi ça. Parce que tu peux être malhonnête. Tu travailles n'importe comment. La réussite, c'est quoi? Il faut te battre que quelqu'un ne reste pas quelque part et dit « Oh, telle personne m'avait frappé. Telle personne n'est pas bien. Telle personne vraiment que Dieu le... Que, vraiment, je ne sais pas. » Quand les paroles là, les paroles qu'on prononce là, méfiez-vous. Quand 5-10 personnes restent chez eux, que « Oh, telle, tu ne seras jamais rien dans ta vie. » Même si tu fais quoi, tu ne seras jamais rien. Mon cher ami, même si tu es milliardaire, un matin, tu vas devenir zéro. Oui. Même si tu frappes les gens pour devenir ce que tu es, un jour, ce qu'on appelle le karma, quand ça va te frapper, la honte va te... Tu vas même te pendre, ça sera mieux. Tu vas mieux, tu vas te pendre. C'est comme ça. Il faut être honnête dans ce que tu fais. Sois clair dans ce que tu fais. Il faut être honnête. Il faut être droit dans ce que tu fais. Beaucoup de personnes me font confiance aujourd'hui parce que peu de gens qui m'ont abordé, qu'on a essayé de traiter, qu'on a essayé de travailler, ont compris que ce garçon est vrai. Oui. Ce garçon est droit. Oui. Je ne me donne pas les fleurs, ou bien, je veux juste vous faire comprendre que c'est ça la clé de la réussite. Oui. Je dis encore mille fois merci à Oncle Cliff, UC Fashion, le propriétaire de cette structure, parce que beaucoup vont se dire comment ça s'est passé. Non, en fait, c'est un fonds de commerce que j'ai acheté. Pourquoi il m'a délégué ça? Il y avait beaucoup de personnes qui voulait cette structure. Beaucoup, on était plus de, même 15 dessus. Il m'a appelé, il m'a dit, gars, est-ce que tu peux prendre ça? C'est à toi que je veux donner ça. Parce qu'on a eu à travers, c'est lui qui avait filmé mon mariage. Vous l'avez vu pendant que je me mariais, c'est lui qui a couvert mon événement, tout. Il m'a laissé tout le matériel qu'il travaille avec. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Les gars, c'est parce qu'il a compris que je suis quelqu'un, le peu de temps qu'on a eu à faire, les choses qu'on a eu à traiter, il a compris que le garçon, si, il faut que je lui laisse ça. Oui. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas... Oui, c'est comme ça. Et ne pensez pas que tous les jeunes qui meurent sont seulement les jeunes qui ont trempé ou les jeunes qui ont pris le mauvais. On peut parler comme on a parlé. Demain, je ne suis plus si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu. Mais si demain, je ne suis plus... Vous allez venir voir sur Facebook, ils vont tout dire de moi. Ah, on savait que le gars là, vraiment, il n'avait même plus un derrière qui tenait. Déjà même que d'autres aujourd'hui même, quand ils vendent une Depso, je dis merci. Traitez-moi de tous les noms. Mais seul celui qui est en haut là,
Seul God là connaît comment ce que je fais chaque jour. Donc c'est ça les jeunes, c'est ça. À laisser les histoires de porte-monnaie magique, franchement. Laisser ces histoires de porte-monnaie magique. Oui, on vous trompe. Et ce qui me surprend, c'est que chaque jour, vous voyez comment ceux qui ont pris ce chemin-là tombent. Vous voyez comment tous ceux qui ont emprunté cette route-là chutent, finissent mal. Mais on vient toujours, on réussit toujours à vous convaincre, à vous dire, oh, non, non, pour être bien, il faut, pour faire ceci, il faut. Soyez sages, les gars. C'était juste un petit direct, hein, pour vous conseiller. Et ceux qui viennent chaque fois m'écrire, salut Franco. Vous savez qu'il y a des jours que moi, je reçois parfois 800 messages. Donc, quelqu'un me dit salut, sans mettre un message nécessaire vraiment, c'est fort probable que je ne réponds pas. Moi, je réponds généralement les messages importants. C'est-à-dire que quelqu'un m'écrit. Si tu me viens me dire seulement salut, bon, si c'est, je suis libre, je vais te répondre. Si je ne suis pas libre, voilà. Je vais passer. Là, tu reçois ton téléphone, tu vois 400 messages, 500 messages. Tu vas commencer à répondre. Et sur Facebook, il y a les commentaires. Sur YouTube, il y a les commentaires. Sur TikTok, il y a les commentaires. Donc, je vous aime encore. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Hein, parce que honnêtement, évoluer jusqu'à ce niveau, je suis à 100, presque 109 000 abonnés, 100 community managers. Et c'est grâce à vous. Vous partagez mes vidéos, vous likez, vous commentez. Et ça prouve que nous sommes ensemble. Même ceux que je réponds souvent aux commentaires mal, voilà, c'est juste parce qu'il y a le moment où mon frère, tu travailles, tu as la tête chauffe, quelqu'un vient, tu souffres 3 jours pour mettre une vidéo en ligne, quelqu'un vient mettre un nul. Gars, ça fait mal. Donc, c'est un peu ça. Donc, parfois, on ne répond pas mal parce que on veut répondre mal. C'est juste parce qu'on veut se montrer à la personne là que comprend aussi ce que ça fait. Donc, c'était juste un petit direct. Un petit direct juste pour vous sensibiliser un peu les jeunes. Passez une bonne soirée. Hein. Abonnez-vous. Partagez le direct. Et pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez suivre le direct pour comprendre de quoi il s'agissait. Bye bye. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous surtout à ma page, les gars. Et continuez à commenter et à partager comme vous le faites. Et à mettre les likes. Je vous l'offre. À plus.